Hello les gens, nous voici pour un nouvel épisode d'Assassin's Creed Révélation. Dans le dernier épisode, nous avons fait un des tombeaux qui était le forum du bœuf. C'est un super... J'adore vraiment ce tombeau, je sais, vous l'avez souvent entendu dans... Vous l'avez très fort entendu, pardon, dans la vidéo précédente, mais j'adore ce style de tombeau, en fait. C'est... ça va vite. Bon, vous devez avoir une certaine technique pour pas foirer votre coup, mais moi je trouve que ça donne de la dynamisme. C'est pas juste comme dans Brotherhood où vous n'avez que les temples et tout, vous courez vite, mais il y a pas vraiment de challenge. C'est juste un défi à la con que vous mettez. Ici vraiment c'est génial parce que ça te fait réagir au quart de tour. Mais moi je trouve ça chouette. C'est une autre façon de faire un tombeau et ça j'adore. Et ça c'est un de mes préférés. Et puis après on avait fait la quête avec Tariq. Qu'on l'a poursuivi dans les rues de... Enfin, on l'a poursuivi dans le bazar ou dans le zouk, au choix, pour savoir ce qui... s'il complotait contre la famille de Suleiman, donc le prince de Constantinople ou d'Istanbul, au choix. Mais bon, on a appris 2-3 petites choses, sans en apprendre, on verra plus tard. Et là, je suis devant le magasin de Piri pour faire les missions. Parce que je les ai jamais faites et je me dis bah pourquoi pas le montrer avec vous. Parce que je suis curieuse, je veux savoir ce que ça fait ces missions-là. Ah ok, c'est mes trucs d'assassin, c'est ça que je me dis, c'est quoi ces trucs. Ça j'en regarderai un autre jour. Ça c'est des livres pour les bombes. Parce que il avait montré une fois mais ça vous explique les ingrédients et j'avais oublié de vous le montrer. Donc ça vous montre que les codex de bombes, mais ça vous les avez dans le... dans la menu pause. Ici, ça j'ai oublié de vous montrer, c'est comme pour les guildes des assassins, des voleurs et des Romani. Vous avez des quêtes liées aux bombes. Je vous les montre, hein, grosso modo. J'en ai réalisé qu'une pour l'instant, parce que les bombes, c'est vraiment pas mon trip. Donc voilà, utiliser une bombe, j'en ai utilisé 10. C'est déjà relativement bien. Mais voyez, c'était pas vraiment mon kiff. Donc je vais quitter ça. Est-ce que ça aussi vous l'avez dans le menu ADN, ça vous avez la boîte à bombes et vous avez le cher Piri. Faire des achats. Je veux pas faire des achats. Je vais d'abord voir ça. Les bombes mortelles seront perdues si vous acceptez la mission. C'est pas grave. Capacol. I need to reconcile these ancient Greek maps with data from Admiral Columbus. But this is like comparing maps of the moon and the earth. What wow. A mess! Quand même. Ah, Ezio, cheer me up. Let me teach you something. What about these poison bombs? How lethal are they? Quite lethal, Dosto. We distill our poison from the Datura plant. A pretty little flower with a deadly secret. This one kills, slowly but surely. Be very careful. For your sake, and for others. Grazie. C'est quoi la mission? Tuer la cible sans utiliser aucune arme au corps à corps ou à longue portée. Donc je dois juste utiliser la bombe. Ouais, bon. On va tenter, hein? Qu'est-ce que je voulais que je vous dise? Et je crois que je vais faire les 3 missions en une fois. Ouais, ce sera un épisode spécial bombe. Ce sera comme pour... Voilà, je m'en équipe. Je m'enlève ça. Donc ma proie est ici derrière. Oh, peu cher. En fait, c'est un tutoriel, en fait. Regarde, hop. Donc on va attendre qu'il se fasse tuer. Ah, c'est génial. J'en ai encore au moins, dites-moi. Rassurez-moi. Est-ce que... Ouais, j'en ai encore deux. Pour que ça touche un max. Ça devrait être bon, ça. Je pense que ça devrait être bon. Je pense que ça devrait être bon. Est-ce que ma cible est encore là?
Gracie est encore vivante. There is something very odd about that one. Merde. Alors, j'annule. Recule. Foreign muscle for hire. Hop. Have I not... Tout juste quand même, hein. Oh, je danse bizarre. Ah, génial comme petite bombe. Ah. Ah, c'est pas mal. C'est tout? Quoi, j'ai pas un checkpoint genre... je me gouac. Bien, c'est mignon. Tu me téléportes pas chez l'autre? Ah, intéressant. Bien. Bon, je vais faire la suivante, hein. Je vais me re-téléporter parce que je ne sais pas pourquoi il m'a remis là. Et on se retrouve encore à la boutique de Piri, hein. Tant qu'on voit que c'est court comme petit truc, autant les faire tout de suite et être tranquille. Mais je les avais jamais faites, hein. Je vous le dis sincèrement, je les ai jamais faites, ces missions-là. Parce que je pensais au début que c'était un truc long, chiant, mais à ce que je vois, c'est court. Donc je vais m'amuser à les faire. Je vous dis à tout de suite, les gens. Donc on est devant, Piri. Donc on va accepter la prochaine mission. Attention, vos tactiques. Tactiques seront perdues. Comme tu veux, je m'en fous. Hein. Ah, Turkey smoke bombs. Are you curious to try a few? Should I? I've used smoke bombs before. Si. Varying results. Juste pour savoir s'en servir. But not like ours. We have a special recipe for deep, dark clouds. Throw one of these and your eyes are useless. You must rely on your hearing. And any other senses you may have cultivated. Other senses? What could that mean? Word gets around, Ezio, that you are a special... Mais putain, y'a tout le monde qui sait tout sur moi, quoi! Strange gifts. Keep it to yourself. Ouais, y'a tout le monde qui est au courant, c'est pas possible. Maintenant, on va dire que j'ai le troisième œil. Voilà. Donc, c'est quoi? Ne tuer personne. Bon, ouais, si tu veux. On va s'en charger. D'ailleurs, faudrait que je me déséquipe d'armes. Attends, hop. C'est laquelle que je dois prendre? Attends. Attends. Dirigez-vous vers la destination. On va d'abord faire ça, et puis après on verra. Ah, je vais juste faire ça. Ouais, je vais juste faire ça. Effectivement. Ah, ils me l'ont mis d'avance. C'est mignon. Bon, bah, on va le mettre là, hein. Techniquement, ça devrait aller. On va mettre la vision de l'aigle. Voilà. Je peux pas réutiliser le bon. Pratique ça. Par contre, faut vite que je m'échappe. Cassos ! Aïe. Échappez-vous du secteur. Je veux bien m'échapper du secteur. Laissez-moi m'échapper du secteur, s'il vous plaît. Ah bah voilà. Deux missions. Bon bah ouais, ça fera un épisode complet rien que là-dessus. Et putain, non ! Oh non ! Oh non, c'est pas bon, ma notoriété, merde. Oh putain, non. Merde, j'aurais jamais dû accepter cette mission, je comprends mieux pourquoi. Merde. Dis-moi que j'ai le 100%. Oh mon dieu, non. Ça veut dire que je vais faire une attaque à la tour. Non. Tiens, faut que je trouve un héros. Faut que je baisse cette notoriété de merde. Non. Oui, vous m'entendez paniquer, c'est pas pour rien. Et je crois que j'ai ma voix qui part en couille, mais je m'en fous. Y'a pas un héros qui traîne dans la zone? Pitié! Qu'un héros traîne dans la zone! On va faire ça. Oui, parce que souvent quand vous mettez dans le foin ou quoi, ça fait venir les héros, mais... Mais merde! Oh, y'en a un! Y'en a un! Mais je panique pour rien, mais... J'ai horreur de cette phase de jeu. Vous pouvez pas savoir. J'ai horreur de ça. Et plus vous restez longtemps avec ça, plus les Templiers vont vous repérer et j'ai pas envie.
Vite, vite, vite. Oh putain, en plus le jeu il freeze. Non, 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 freeze pas, connard, freeze pas. Tiens, prends mes sous. Je te volerai pas d'ailleurs. Oh putain, good. Good. Parce que si vous faites pas ça, hein, vous voyez, mon truc était tout rouge entièrement. Si je l'aurais laissé, au bout de 10 minutes, 10 ou 15 minutes, je sais plus, ah ben, les Templiers ils attaquent un de vos repères et c'est la merde. Et j'ai pas envie de ma misère récupérer, au fait. Oh putain, j'ai eu de la chance. Bon, ben, comme d'habitude, je vais me téléporter à Piri et on se retrouve là-bas. Allez, tout de suite. Donc ici, il me demande... Wow, wow, wow. Fuck. Re les gens, désolé, j'ai cliqué sur le bouton sans faire exprès. For 10 months, I have been working on a new map for Beazit. But he is old, and I'm a perfectionist. Perhaps the next Sultan will appreciate my efforts. Well, how can I help you, Ezio? Smoke signal bombs. How do they work? You must know the old saying. Where there is smoke, there is fire. These bombs play off that idea, creating a thick plume of smoke to trick city guards into believing a fire has started. These bombs are quiet, however, so only those who see the smoke will be lured away. Sato, I will give it a try. Bon, bah, ok. Ne tuez personne d'autre que vos cibles. Bon, bah, ça devrait aller. Je pense que ça devrait aller. Pour l'instant, c'est pas fait. C'est juste que j'ai eu la panique boom pendant 2 minutes. Je vais appeler ça, tiens, le syndrome de la panique boom pour les attaques de repères. Oh, ça pourrait être bien, ça, comme nom. Concentré comme du jus de tomate. Ah ah ah. Putain, elle vient de se téléporter. Bon bah, l'âme secrète. Bah, ça va pas être dur, je pense pas. Ah merde! Je pense que ça devrait pas être dur, mais. Avec la chance que je vais avoir, je sens que je vais me faire repérer. Oh, c'est quand même efficace ces petites bombes. Mais ça, vous voyez, c'est des bombes que je fais, du moins des trucs de mission que je fais, mais que j'utiliserai jamais. Je pèse par là. Voilà. Je pèse par là. Et voilà, je vais sortir de la zone. Voilà, parfait. Parfait, 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 parfait. Est-ce que je me suis fait repérer? Non, c'est bien. Je vais pas faire la panique boom 2. Et je vais retourner à Piri pour une dernière fois. Et on se quittera peut-être là, les gens, à moins que j'aille récupérer un livre. Non, on se quittera là. Je sais, ça fera un très 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 court épisode. Mais bon... Voilà, quoi. Je vous dis à tout de suite. Voilà, re les gens, donc on va faire la dernière mission. Ça prend peut-être temps. J'ai même pas... Tell me about your special bomb casings. Well, I have some sticky resin bags. My uncle Kamal had a wild fondness for them. During Beazit's conflict with Valencia, he was a captain in the Ottoman Navy. He liked resin bombs because they stuck to almost any surface. The hulls of large ships, for instance. I lost many friends in that conflict. We all did, Ezio. And that war is why I became an assassin. I hate the artificial boundaries our leaders have built between people.
We fight to end the fighting. It is a sad irony. It will always be an irony, Yvette. But perhaps one day will not be so sad. Use this wisely. Si seulement t'avais raison. Bon. Ne vous faites pas repérer. Utilisez la bombe collante pour tuer 3 cibles dans la zone non autorisée sans vous faire repérer. Bon bah sans me faire repérer, je sens que je vais rire, hein, mais c'est pas grave, comme d'habitude. On va y aller. Donc, il faut que j'aille. Je suis mal mis. Ah, ça a marché. Bah, je me suis fait repérer. Logique, je me suis fait repérer. Si j'étais mieux mis déjà, ça aiderait, non? Voilà, là, ils m'ont déjà mieux mis. Vite! Bon, bah voilà, hein. Encore plus rapide. Ah là là, mon dieu, je savais pas que c'était aussi court que ça, ces missions. Bon, bah voilà, hein. On a découvert les bombes de Piri. De Piri, pardon. Ah, oui, je veux dire Piri, c'est pas... Je veux dire Piri et pas Piris. Voilà. Voilà, les gens, je sais, un épisode court. Mais bon, ça arrive, hein, de temps en temps. Comme vous entendez, je commence à perdre ma voix. Sur ce, je vous dis à la prochaine, les gens. Allez, salut.